dis souvent, quand il y en a plus, il y en a encore, des emmerdements. Et il y a du gravier en dessous, ou dessus. Alors, pareil, je voulais voir un truc qui m'a porté, enfin, que je pense avoir vu dans une de mes vidéos. Ah non. Je sais pas, dans une de mes vidéos, je voyais que c'était assez sombre en haut, en fait. En haut là des graviers, donc je pensais tomber sur un truc naturel, mais en regardant une vidéo en fait, ça devait être un épisode précédent. Peut-être l'épisode, il me semble 5, mais je suis pas sûr. Bon, voilà, mes coffres, je vais faire un petit peu en retard. Ouais, enfin, pas mes coffres, mais je veux dire, je vais les faire là juste au-dessus. C'est sympa ça. Parce que je vous rappelle, alors, vous pouvez poser sur votre table de crafting des blocs, mais si vous posez un bloc au-dessus de votre coffre, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Excepté l'eau, les échelles, les pancartes, et les coffres sont résistants à la lave, donc vous pouvez également faire un petit coulis de lave par-dessus, et puis donc personne ne pensera à faire un clic droit pour fouiller vos coffres. Enfin, si vous êtes dans un serveur qui ne possède aucun système de d'antigriffe, ce qu'on appelle l'antigriffe. De four, plus j'ai un stack de charbon, apparemment. Donc je rappelle, un stack c'est une unité de 64. Hein, donc là j'ai actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 stacks de cobble. Moi aussi un stack de gravier, ah non, un demi stack de gravier. Ce ne sera pas très utile. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, on fait tout de suite un rappel sur le les armures, les différents sets de crafting. Donc ceci est le torse. Voilà. Ceci est le pantalon. Bien sûr, je n'aurai pas ce d'ailleurs pour vous montrer le reste aussi, je sais pas, non. Donc ceci est un casque, donc que vous le faites là ou que vous le faites juste au-dessus, ça revient au même. Et si j'enlève celui du milieu, voilà les chaussures. Alors, je vais plutôt faire le casque. Voilà. Ok. Alors, je vais commencer par ça. Je vais... Alors, un crafting que certains ne savent pas, je ne citerai pas de nom, il se reconnaîtra. Si on fait chauffer de la cobble, ça vous donne de la pierre lisse, de la pierre à l'état naturel, comme, donc, comme ici. Élément qui pourrait servir donc soit à faire des boutons, parce que les boutons se font en pierre lisse, ou les plaques de pression se font... si c'est ça, les plaques de pression se font en pierre lisse. Je ne dis, si je ne dis pas de bêtises, à partir de maintenant, à partir de la version 1.7, ou ça existait déjà en 1.5, je sais plus, en 1.6 je veux dire, ça, les demi-marches de stone, apparemment, maintenant, il faut les faire en stone lisse, on ne peut plus les faire en cobblestone. Ceux-là, hein, je parle. Sinon, les escaliers en cobble existent toujours. Voilà. Ça. Même si c'est pas coupé. Allez, on va chercher le. On va chercher le précieux. Moi, attention, les yeux. Non. Je vous dis que j'ai une chance, mais pas possible avec le diable. Là, donc j'en ai 3. Maintenant j'en ai 4. Je cherche ça bien autour un petit peu quand même. Non, je pense pas. Je pense pas. Allez. C'est de la bedrock. Allez, donc on continue. Donc par là, si je dis pas de bêtises, il y en avait. Ou alors, c'est simple, il y a un passage à sauter ici. Voilà, c'est ça. Hop les. Donc,
C'est pas possible. Je sais que j'aurais dû celui-là, par contre, c'est l'ouvrir. Bah, j'aurais dû comment le minerai, j'aurais dû l'ouvrir, voilà, le dégrossir pour vous, pour voir un petit peu ce qu'il y aurait, ce qu'il y avait au total. Donc voilà. Et pour finir, on va aller par là. Ouais, non. Parce qu'il y a de la lave, alors je tiens pas à perdre les 9 diamants que j'ai déjà. 9 diamants, la base quoi. Donc j'ai un coffre, donc j'en profite. Je vais vider. Alors ouais, ça... Mon armure, je vais pas la mettre tout de suite, hein, je vais la stocker. Je vais la remettre quand je remonterai à la surface, parce que... je vais encore jouer la carte de la prudence en... ça je vais garder quand même, je vous montrerai avec. J'ai encore une pioche, j'ai plus d'iron, donc l'iron hein, j'en ai vachement besoin. Je vais garder de la cobble sur moi. Je vais garder de la cobble sur moi parce que le genre de trou que je vais faire dans mes galeries, je n'aime pas du tout. Donc la redstone hein, est plus longue à piocher. Donc, vous voyez, donc quand vous détruisez un bloc, donc ça peut vous donner aléatoirement plusieurs redstone. Je ne sais pas exactement entre combien et combien. Là, je viens de casser 3 blocs, j'en ai 13. 4 blocs, j'en ai 17. Donc combien il y a eu, il y a eu 5 d'écart. Exactement, alors, ça semble être aléatoire, donc donc je récupère la redstone quand même hein. Étant donné que ça va me servir sans doute à faire à vous faire des à vous montrer donc un tutoriel sur la redstone sans doute, parce que j'en ferai un. Le piston, je vais crafter, ça me sera utile. Une boussole. Et si je trouve de l'or, une montre. Donc l'or, hein, je vous ai expliqué son utilité. À part faire des montres, ça ne sert strictement à que dalle. Parce que les outils qui sont faits en or sont certes très bien, très efficaces, mais ont une espérance, ont une durée très limitée. Et j'ai fait une bêtise, donc déjà j'ai gardé mon stock alors que j'avais dit que je le garderais pas. Enfin, je le mettrai dans le coffre temporairement. Celui-là, je peux récupérer son. Excusez-moi. Alors là, je trouve encore plus de diamants que prévu. Bon. Quand je vous dis que j'ai une chance formidable. Alors, je vais tenter le diable. Non, je vais pas tenter le diable. Donc, souvent, je suis très prudent. Alors, parce que beaucoup de gens, beaucoup de nouveaux ne le savent pas. En appuyant sur la touche Shift, donc majuscule pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la touche Shift. Si vous appuyez dessus, vous vous accroupissez et vous ne pouvez pas tomber, sauf si vous sautez bien sûr, mais vous pouvez carrément vous mettre sur la tranche du cube sans aucun problème. Voilà, donc sneak, hein, vous voyez, vous abaissez, je crois que non, ça marche pas, mais si je vais mettre la troisième personne simplement. Voilà, donc si je... bien sûr, je n'ai pas vraiment de match pour vous. Montrer. Voilà, parfait. Donc c'est le plus technique. Voilà, je me baisse tout simplement. Il y en a sur les sur des vidéos internet qui montent leur postérieur comme ça. Voilà, bon, désolé, moi j'arrive pas. Alors je sais pas comment vous faites pour vous faire voir de face, mais je ne n'y arrive pas moi. Je sais pas quelle touche appuyer. Et vu que je suis près de la lave, j'ai pas envie d'essayer toutes les touches. Bon, enfin bref, donc voilà, donc je me remets à la première personne.
Donc j'ai pas mis de skin, personnalisé. La lave semble avoir une bonne étendue. Donc je pense que j'en ferai une bonne partie en obsidian. En vous montrant comment récupérer l'obsidian.